Salut tout le monde, c'est Ryzen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du mode histoire de Waven. Dans la première vidéo, on a fait les 10 premières quêtes. Dans celle-ci, on va faire les 10 suivantes, les amis. Donc, on reprend à Ogress parce qu'on n'a pas encore fini Ogress. Il nous reste deux quêtes à faire et ensuite, on attaque avec la suite. Tout simplement. Allez, je joue encore Lenny Ripsia pour le moment. Vu que ça permet de terminer assez rapidement les combats, donc c'est plutôt sympa. Donc let's go pour la suite, les amis. Ah, Ogress, t'es pas content, hein. Allez, on attaque le combat 14. Allez, toujours la même technique. C'est bien, Steny, de la jouer comme ça parce que du coup ça me permet de terminer assez rapidement les combats et d'enchaîner dans la quête sans que ça soit des vidéos trop longues. Et ça, c'est plutôt cool. On fait un petit peu ce format de quête aussi, vous avez pu voir. Notamment sur Wakfu, où j'ai réalisé l'arc narratif des Ouginiaques. J'avais commencé. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait d'autres quêtes comme ça. Et il y a aussi récemment Ekarth qui a fait la première partie de la quête d'Ofus Ivoire, la toute nouvelle quête d'Ofus sur Weaven. Parler de tout ça à Papa Otomaï? Oui. Pas besoin. Ogrest s'en sortira tout seul. Il est grand maintenant et il est plus méchant. Et on va au dernier combat, les amis. Ogrest n'aura plus peur. Il promet. Ah, Ogrest n'aura plus peur, les amis. Et ça fait plaisir. Bam! Moi, j'ai hâte de voir un peu c'est quoi le vrai gros méchant de Waven. Parce que jusqu'à présent, ça a toujours été un peu Ogrest. Mais là, j'ai hâte. Ah. Ogrest aurait dû parler à Papa Otomaï. Petit nuisible, c'est ce que tu es, n'est-ce pas? Incapable de se contrôler, incapable de faire le bien. Toi, tu vas morfler, toi. Il n'est bon qu'à tout catastropher. Mais s'il me laissait l'aider, peut-être pourrait-il sauver ce pivoine. La qualité du jeu, les gars, c'est un truc de ouf. Hein. Unity fait tellement de bien à l'univers Ankama, sans déconner. Il reste 39 PV. Et voilà. Fin du combat. Ogrest! Espèce d'idiot, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Le chant des fleurs ne vient pas de toi, mais de la tête qui est apparue dans le parc. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tout va bien. Tu t'es fait peur tout seul. Tu te souviens de ce que je te disais autrefois? Quand tu en as gros sur le cœur. Rien de voir. Bon repas.
Merci, papa. Ah, lui, carrément, il bouffe son ennemi. Alors que c'est une manière plus écolo d'empêcher que les cadavres des ennemis pourrissent. C'est une méthode. Otoma vient d'Omtri. Les chouchous sont vraiment pénibles. Surtout quand ils possèdent des gens. J'en sais quelque chose, mon mari a un chouchou dans le bras. C'est une longue histoire. Otoma... Putain... Tac. Tac, on va faire niveau 20. J'espère qu'on va pas se retaper tous les combats. La situation est en train de dégénérer. Il faut agir. J'ai envoyé mon mari et mon fils surveiller la faille d'Astrub. Ils sauront nous protéger. J'ai aussi demandé à Gultarb de ratisser les îles voisines. Il connaît bien les chouchous. S'il y en a d'autres, il les trouvera. Aide-les comme tu pourras, d'accord? Moi, je vais tenter de comprendre pourquoi les chouchous lui en veulent. Tu la reconnais? C'est la déesse Kra. Enfin, plutôt son écho. Elle n'est pas vraiment là. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Tout ça ressemble à un appel à l'aide. Ok, donc je dois aller là. Il débouffe tout. Allez, ça y est, enfin, on s'en va d'Astrub. Voilà, Astrub, au revoir. Maintenant, on va au bouffou. Alors, et on doit parler à Chatterton. Il est là. Mode histoire, ok. Ah, 1000 points, ah oui. Bonjour, bienvenue dans les pâturages bouffes. Cependant, la surexploitation entraîne... Il devient difficile de trouver de la bonne laine. Bon, ok, le truc, il a l'air... Hein. Allez, Chatterton, chez vous. Ok. Bon, on va faire le mode histoire. Le combat 22. Let's go avec Dr. Bouftou. Hey, Google Tar. Ça sent le chouchou par ici, je me trompe? J'en étais sûr. Combat fini. Bon, rental combat 1017. Ouais, j'espérais un peu mieux que ça. On va continuer à chercher. Alors maintenant on doit aller où? Île des cochons. Ok. Let's go à l'île des cochons maintenant. Elle est ici la petite île des cochons. Alors, c'est à lui qu'on doit parler. Mode histoire, combat 24, let's go. Ah, on va se faire des petits jetons partout, c'est cool ça. Comme on se retrouve. On aura droit à de vrais gros chouchous cette fois, tu crois? Nice, j'ai fait le succès en plus. Oh, mais il était rapide celui-là. 1013. Pas incroyable ces chouchous, hein? Le Gultar, il est dégoûté. Ça me fume. Gultar, il est
dégoûté, frère. Alors, j'ai réussi ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? Bah, des cool, des kamas et 240 jetons de plus. Je vais vite fait voir ce qu'il y a à la boutique. Ah merde, c'est l'anneau que j'ai là. Bon bah on aura au moins pu en prendre deux. C'est quoi l'infinite? Nul. J'aime pas. Bon, allez, hop. On part maintenant. Direction. Île des chasseurs. Direction île des chasseurs. Chasseur, elle est là. Alors, on va mode histoire. Oui, c'est combat 16. C'est parti. Je t'attendais. Oblero a repéré des bestioles qui ne ressemblent pas à des chasseurs. Tu es prêt? Je sens qu'on ne va pas être déçu cette fois. Ouais. Allez, donne-nous des beaux petites bestioles là. En voilà peut-être un moins nul que les autres. Le bâtard. Ah, il a déjà filé lui. D'accord. Ouh, sympa le drop. Oh là, tu crois aller où comme ça? Hey, reviens ici. One eternity later. Re les amis, du coup, on va continuer la quête du mode histoire, donc la 28e. Donc un petit peu de temps s'est écoulé entre le tournage du coup des 6 premiers, enfin de la quête 10 à la quête 16 et au moment où je reprends, donc d'ici, enfin depuis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté toutes les classes 50, ça y est les amis. Voilà, bref, je voulais le caler parce que ça me fait plaisir. Donc on en était où? Alors on en était là. Tout le monde Dombala s'est enfui, parler à Azrael et retrouver Goltar dans le donjon chasseur. Allez, c'est parti. Le donjon chasseur, il est là. Mode histoire, tac tac. Donc on continue avec la scalpel, les amis, et puis let's go. Hein. Où est-ce qu'il est? Où est le chouchou? T'es où? C'est charmant ici, dis donc. Je parle de faire... J'ai pimpé un peu ma scalpel pour les vidéos là. J'ai mis des nouvelles auras et tout que je trouvais stylé avec. Tac. Donc là normalement le combat il est fini les amis. On peut voir ici qu'il n'y a plus de temps. Donc non, le combat est terminé. Mais bon, ça va vite avec la scalpel, c'est l'avantage pour rusher un peu les premières quêtes. Quand ça va devenir un peu plus compliqué, je pense que je vais switch avec le Larmageddon. Je vais voir. Comme ça on a le temps de bien avancer dans l'histoire tranquillement sans prise de tête les amis. Oh, d'accord, c'est déjà fini, ok. Bon, bah, même pas besoin d'invoquer, de tuer mon invoque. Et vous, du coup, les amis, comment vous trouvez le mode histoire sur le jeu? Moi, personnellement, j'aime bien. En vrai, pour le moment, j'aime bien. Donc, on va se faire les 40 premières quêtes en vidéo. Et puis après, on va attendre, du coup, qu'ils rajoutent des nouvelles quêtes, etc. Et je vous les ferai en vidéo dès qu'elles arriveront. Comme ça, on sera à jour. Et puis, tout ça, jusqu'à qu'on ait terminé le livre 1. Après, on attaquera le livre 2 quand tu auras le livre 2.
sur le jeu, etc. Bref, vous comprenez, hein, je vais vous les faire à chaque fois. Comme ça, on sera vraiment à jour sur le jeu. Puis à côté, je vous ferai plein de petites vidéos build. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont arrivées au moment où je parle. Parce que j'ai pas commencé à tourner encore. Au moment où. Enfin, j'ai pas commencé à uploader les builds que j'ai tournées au moment où je tourne celle-là de vidéo. Donc, voilà. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de contenu Waven qui arrive. Maintenant que j'ai fini les classes, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur l'opti des persos et tout. Ça va vraiment être génial. Voilà, remporter 3 combats, 25 ans. Ah oui, c'est vrai qu'on a la nouvelle, qu'on a la nouvelle page mince, du passe combat. Bah du coup, j'ai déjà fait un peu de trucs, quoi. Donc, apparemment, ça c'est fait. Bram. Hop, on va. Ah ouais, 12. Ah oui, j'ai déjà fait ça. Ok, ah oui, c'est pas mal. C'est quoi les missions? Jouer 40 sorts, terminer un chapitre de donjon au choix. Donc ça, bah, ça va être validé. Et vaincre 3 mobs de type boss. Ah ouais, ok. Où est-ce qu'il est passé? Oh merde, j'ai passé, quel con, putain, le réflexe. Bon, c'est pas grave. Ah bah d'accord, c'est fini déjà. Tac, ok. Un petit Goultard, ça fait plaisir. Mais je crois que je l'ai déjà 50, je sais plus. Je sais plus si je l'ai 50 ou pas. Avec Goultard qui veut du combat. Ok, Goultard, allez à toute ma poule. Ok. Donc ça a pas compté, ok. Alors, la suite du coup, c'est la quête 18, niveau 30, virée en famille, triste pain et pain, surveiller la faille d'Astrub, rendez-vous sur les lieux. Ok. Donc là maintenant, on va aller voir triste pain, les amis. Re les amis, du coup, on se retrouve pour la suite de l'histoire, donc du mode d'histoire. Donc on va faire le combat 18, virée en famille, parce que du coup, ben, il s'est pas enregistré. Donc du coup, on va le refaire et après on attaquera par le deuxième combat qui est aux aguets, les amis. Donc let's go. Tac, le combat level 30, il est là. Hop, on se le fait. Papa, on peut pas y aller juste comme ça. Bien sûr que si, on fonce dans le tas. Ah ouais, la grande technique Yop. Comme si les chouchous la connaissaient pas. Salut, tu viens aussi aider sur la faille? La tête géante est sortie de là et il y a des tas de chouchous. Pas besoin. La dernière fois avec Kennedy, on les a tapés, tout simplement. C'est moi qui vais te taper si tu continues à me comparer à Eleli. Eleli, elle, m'aurait déjà tapé comme une frayop. N'importe quoi. Hop, voilà, bon, combat très rapide, hein, les gars. Ils ont que 15 PV, les machins. Donc, combat très très rapide. Voilà. Merci de t'être occupé des chouchous. On avait besoin de ce tête-à-tête. On va pouvoir surveiller cette faille maintenant, comme maman l'a demandé. Entre père et fils. Allez, maintenant, du coup, on attaque la suite avec le combat 32. Ah ben oui, mais je sais pas pourquoi il... Ça ferait une super entrée avec de bons coups de pied. On peut pas. Maman nous a demandé...
chasse en imitant leurs cris. Ça crie un chouchou? Je sais pas, mais je suis sûre que ça ferait quelque chose du genre... Ça a marché? Ok. C'est quoi ce truc? Un chouchou nain? Il est tellement chou. Un chouchou tout chou. Ah bon, je vais devoir améliorer mon idée. Là, elle est pas au point du tout. Il fallait quand même y penser. En récompense, je vous les laisse. Cadeau. Mais vous allez arrêter de vous payer ma traite. Oh, le truc, comment il se fait victimiser. Ah bah combat fini. Ok. Ah, je vous dis, une Nenny Scalpel pour faire le mode histoire, c'est bueno. Hein. Ok, bon, là, fini, hein. C'était rapide, les amis. Joli coup, tu l'as pas fait. Je suis le fils de Tristopan de Percedal. Et celui d'Evangeline. Qui d'autre aurait pensé à attirer les chouchous? Allez, onzonzon, le petit chou. Et donc, le dernier combat de cette vidéo, les amis, ça sera la quête 20, donc le niveau 34. Faut aller voir Matou Piton à l'île des chuchoteurs et Gultar est en patrouille chez les chuchoteurs. Allez voir Matou Piton. Ok. Donc let's go, on va voir Matou Piton, les amis. Talam palam pam 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 pam. Regardez mon gros bateau, il est beau, il n'y a que des pitis à côté. Oui, j'ai acheté un gros bateau, les amis. Et j'ai acheté aussi une havre île. Chuchoteur, c'est ici. Tac. Alors, Matou Piton, le voici, le voilà. Mode histoire. Alors. Tac. On va faire jouer. Je savais que tu viendrais. Je doute qu'on trouve un gros chouchou chez ces modèles réduits. Mais vérifions quand même. Alors, voyons voir. Tac, non, c'est tac. Voilà, combat fini. Tac. Hop, hop. Ça se termine, les amis. Franchement, j'aime bien le mode histoire. Hein. L'histoire, elle est vraiment plutôt sympa pour le moment. C'est une petite histoire tranquille. J'ai hâte de découvrir la suite et le... Bon, pas le dénouement, parce que normalement, il est censé y avoir 100 quêtes sur le livre 1. Donc, bon, on n'y est pas encore. Ouh, jeton chuchoteur 1000. Vous avez plaisir, ça. C'était pas si mal comme combat, finalement. Mais ne perdons pas notre objectif de vue. Allons chercher du gros chouchou. Ah ouais, carrément, lui, il se barre comme ça, quoi. Bon bah écoutez les amis, on a terminé du coup la deuxième vidéo du mode histoire et on va attaquer du coup les 10 prochaines quêtes. Donc ça ira jusqu'à la quête 30, les amis. Donc voilà. Mais moi en tout cas, je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé. Du coup, le mode d'histoire, est-ce que vous aimez bien le mode d'histoire, est-ce que vous l'avez terminé ou pas? Moi, j'ai hâte de le terminer, les amis. Et puis voilà, et puis hâte de la suite aussi.
Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye!